Salut les amis, c'est le Mesultra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler actu Overwatch 2. Il y a du neuf, hein. C'est pour ça que je vais vous faire un petit récap donc, de ce qui peut se passer. Donc, par exemple, des récompenses un peu plus cette fois-ci qu'on pourra obtenir gratuitement, que ce soit pendant les prochaines saisons ou pendant les événements. On parlera aussi des récompenses d'Overwatch League qui sont manquantes. Si vous avez suivi l'Overwatch League, vous vous êtes rendu compte qu'il manquait, que vous n'avez peut-être pas reçu vos récompenses liées à vos drops. On parlera aussi de quelques modifications sur Sojourn. On parlera également des améliorations des parties compétitives, etc. etc. Mais avant de commencer cette petite news, je voulais vous dire que maintenant tous mes lives, tous mes streams se passent sur Twitch. J'ai décidé de vouloir changer, de faire les rediffusions sur YouTube et aussi toutes mes vidéos actus, astuces sur les jeux que je fais sur YouTube et me concentrer sur Twitch. Donc si ça vous plaît, vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/ultrasoftware, le même pseudo que sur YouTube, donc je vous attends vivement. Allez, on enchaîne avec la première petite news qui est la protection des SMS avec les téléphones prépayés. Vous avez vu que Blizzard a renforcé la sécurité en vous mettant la vérification de vos téléphones, de vos numéros de téléphone portable. Mais le seul problème qu'il y avait, c'est que ça ne marchait pas pour les téléphones prépayés. Donc les gens qui avaient des téléphones prépayés ne pouvaient pas jouer au jeu, hein. C'est un peu dommage pour un free-to-play en plus. Donc maintenant, les numéros de téléphone sur des téléphones prépayés peuvent lier leur compte battle.net. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle quand même, parce que c'était un peu chaud, surtout pour un free-to-play, de pas pouvoir jouer à un free-to-play, quoi. Alors, niveau contenu, on a trois nouvelles entrées en scène qui arrivent, hein. Celle de Sojourn, dénommée Optique, qui est disponible gratuitement dès maintenant. Donc, en bonus de connexion, donc vous avez juste à vous connecter et vous allez pouvoir récupérer l'entrée en scène Sojourn gratuitement. Après, il y aura aussi la reine des Junkers qui s'appelle 5 doigts qui sera disponible durant la saison 2. Et là, par contre, pour Kiriko dans le vent, qui s'appelle dans le vent, faudra débourser 700 crédits pour l'avoir. Allez, comme on enchaîne avec les récompenses, on va continuer avec les skins d'événements gratuits. Donc, en gros, l'équipe d'Overwatch n'a pas vraiment été satisfaite, hein, de la façon des récompenses, comment elles se gagnent en fait, et notamment dans les événements comme l'événement Halloween. Alors oui, dans l'événement Halloween, vous aviez une nouvelle mission coop qui change de la vengeance de Shackalstein, hein, on avait vraiment un truc plutôt cool, mais les récompenses, elles étaient pauvres quand même, hein, parce que vous avez quelques défis à faire et ça vous donnait gratuitement quelques petites paroles, etc. Mais c'était pas dingue. Donc, Blizzard annonce que à partir de la saison 2, chaque événement aura un skin que vous pourrez gagner simplement en jouant. Donc, c'est plutôt sympa. Au moins, on aura un skin qui sera de l'événement. Donc, je pense l'événement de Noël, hein, le prochain. Et on pourra l'avoir gratuitement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on va pas se mentir, mais en gros, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent à l'événement d'Halloween. Un skin, bon, gratuit. Après, je comprends bien qu'il faut que c'est un free-to-play, il faut renflouer les caisses de Blizzard, donc avec des achats de skins, hein, je comprends très bien. Mais là, sur le coup, c'est chaud, quoi. 26 euros pour le skin de la sorcière, en gros, de Kiriko. C'est un peu tendu, quoi, je trouve. Donc, et que ça, en fait. Ça ne pousse pas à la consommation. Si vraiment il y a des choses gratuites, ça nous fait revenir sur le jeu et puis là on se dit tiens, je me prendrais bien ce skin, je pense que c'est la bonne méthode. Allez, on enchaîne avec une autre news et là on va parler Overwatch League. Certains n'ont toujours pas reçu leur récompense suite à la visionnage des playoffs et de la finale en fait de l'Overwatch League qui vous donnait des skins à domicile et extérieur des différents héros que je trouvais plutôt stylé et des petites récompenses en même temps. Et bah certains n'ont toujours pas eu la récompense alors que c'était marqué que tout le monde devait les avoir au fur et à mesure, voire même jusqu'au 15 novembre, délivré le 15 novembre. Et bien, il y en a qui n'ont toujours pas, donc vous devrez recevoir vos jeux
jetons et récompenses une fois que votre temps de visionnage sera traité par le système. Donc ils sont encore en train de bosser dessus, donc patience, on s'occupe de vous. On vous oublie pas ceux qui en ont pas reçu. Allez, la news suivante concerne les modifications pour Sojourn et les reworks des soutiens. En gros, à partir de la saison 2, ça apportera le premier patch d'équilibrage qui va apporter des changements pour Sojourn et potentiellement à la reine des Junker et Doomfist. Donc ils vont retravailler sur ces persos et l'équipe discute aussi pour faire un rework des héros de soutien pour améliorer leur survivalité. C'est vrai que c'est un peu... Les héros de soutien peuvent tomber très vite et sont souvent focus parce que sans soutien, on sait très bien que le reste peut tomber. Bon, un bon tank hein, peut sauver la donne hein, aussi, hein, faut le dire, mais voilà. Ensuite, on va parler amélioration des parties compétitives, notamment qui vise à mieux gérer votre classement. Donc, le patch a déjà été mis avec la dernière mise à jour, pardon, et les niveaux de compétences et la division d'un joueur seront pris en compte plus précisément. Mais par contre, il va falloir du temps pour que le système estime de plus en plus, affine en fait votre progression et donc votre classement. Ça va se faire au cours de la saison 2. Les estimations aussi du temps de file d'attente sont maintenant aussi plus précises. Avant, les estimations étaient environ de 10 minutes, mais 10 minutes, des fois, c'était plutôt 12, hein, 12, 13, voire 14. Donc là, pareil, ils ont amélioré le truc sur cette partie-là. Bah, écoutez, au niveau des classements, je sais que ça a beaucoup fait grincer des dents, ce nouveau système de classement. Bah, moi, je trouve pourtant que je le kiffe, parce que au moins, je suis pas frustré. À chaque partie, en fait, oui, je perds, oui, je gagne. Je vois pas mon classement tout de suite, mais ça me permet sérieux d'être bien, quoi. Oui, après, je vois mon classement au bout de 7 victoires ou de 20 défaites, mais au moins, je suis pas frustré à chaque partie parce que mes points baissent, ou mes points augmentent. Je gagne, je suis content, je perds, je dis « Ah, oh, ça fait chier », mais je suis pas frustré. Après, oui, il y a le couperet qui tombe, et bon, là, ils ont vraiment annoncé qu'ils ont vraiment bossé dessus, donc au fur et à mesure que vous jouez en classé, vous devriez voir la différence. Et enfin, la dernière news qui est probablement la plus intéressante, c'est au niveau des récompenses et progressions au niveau du pass de combat et tout ça. Par contre, ça ne sera pas avant la saison 3. Donc, en gros, là, il y aura la saison 2, ça va être un petit peu plus amélioré, mais la progression ne va se faire qu'à partir de la saison 3 réellement. Et en quoi ça consiste, mon cher Ultra ? Eh bien, ça consiste, en fait, à apporter des changements au pass de combat pour qu'il soit plus attractif, je pense, de proposer des défis plus captivants aussi et de mettre en place des systèmes de progression qui est quand même un peu plus intéressant. C'est vrai que je regrette ma progression de niveau. Franchement, être bloqué dans mes niveaux, là, j'aimais bien, moi, mon petit portrait de bannière, je trouvais ça beau, là, en bronze, avec les étoiles, en bronze, argent ou or, je trouvais ça stylé. En plus, si la progression à chaque niveau pouvait nous faire gagner une récompense, alors les lootbox, il n'y en a plus, mais un peu comme Apex, à chaque niveau, vous pouvez gagner soit de l'argent dans le jeu, de l'argent, c'est de la petite argent qui vous permet de débloquer un personnage, et une lootbox en fait, un pack Apex qui vous permet d'avoir des skins aléatoires ou des récompenses aléatoires. Et c'était cool. Plus ça, plus le pass de combat, bah voilà, je trouve que c'était plutôt sympa. Donc voilà, à partir de la saison 3, on va voir du contenu. En plus, il y a des choses, gros changements qui arrivent normalement à la saison 3, je pense, qui vont nous mettre en place le mode PVE. J'espère qu'ils vont pas trop tarder, que ça soit vraiment un jeu ultra complet et qu'on arrête de parler d'un Overwatch 1.5. Puisque les changements sont là. Je connais la grogne des joueurs, mais ça arrive. Ils sont au courant, ils écoutent la communauté, donc je suis plutôt confiant pour ça. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses au niveau des news. Je reviendrai plus bientôt pour vous en donner d'autres, hein, bien sûr. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, je vous le rappelle, vous pouvez aussi aller me follow sur Twitch pour voir les prochains lives, car tout ce qui est streaming et live, que ce soit Apex, Overwatch ou autre, se trouve sur Twitch. Allez, je vous attends avec impatience. Quant à moi, mes chers Ultras, je vous dis à bientôt sur la chaîne Ultra Gaming. Allez, ciao, ciao.